Pour son premier match de championnat, la GSP se déplace sur le terrain de Montmorency FC. Les joueurs de la GSP vont s'imposer assez largement sur le score de 5 buts à 1. Ici, nous voyons l'occasion ratée de l'attaquant vedette Raoul qui va complètement dévisser sa frappe. Il se rachètera quelques minutes plus tard. Lancé par le très talentueux Raon, Raoul prend la défense de vitesse et concède le pénalty, suite à cette faute indiscutable du gardien. Pénalty tiré et transformé par Moteur. Contre-pied parfait, le gardien n'a rien pu faire. L'entrée en championnat est donc réussie, l'équipe se place en tête du classement à la différence de but. En cadeau, ce geste technique réalisé par Benoît. Revoyons plutôt le ralenti. Magnifique roulette. Olé! Deuxième journée de championnat. La GSP reçoit l'équipe de Swazi Andjie Margency. Pour ce premier match à domicile, la consigne est claire. Il faut confirmer les qualités collectives et offensives montrées contre Montmorency. Le capitaine Fater donne les consignes d'avant-match. Les supporters sont venus nombreux pour encourager leur équipe et déstabiliser l'adversaire par ses chants devenus mythiques. Le match est assez pauvre en occasion, l'entraîneur décide alors d'effectuer quelques réglages et lance Pooch. Coaching gagnant car l'international haïtien va s'illustrer à peine 2 minutes plus tard. Touche pour Roissy, pressing des joueurs de la Pontoisienne qui récupère le ballon. Moteur qui la passe à Raon qui transmet à Pooch, contrôle, frappe et but. Ouverture du score pour la GSP. Écoutez comment Pooch laisse éclater sa rage. Le festival de but est ainsi ouvert. Longue relance de Mickaël qui va aller tout droit vers le gardien de Swazi. Le gardien va un peu rater son dégagement. Pooch va effectuer alors un bon pressing. Le ballon va arriver dans les pieds de Raoul. Raoul va déborder. La passe en retrait pour Pooch. Pooch contrôle, frappe. Et deuxième but pour l'international haïtien. Deuxième but, Pooch signe ainsi un doublé. À ce moment du match, la GSP mène par 2 buts à 0. 2 puis 3 à 0. Moteur qui lance Raon dans le dos des défenseurs. Raon qui va laisser passer sa puissance. Raon qui envoie la surface. Oh, qui est séché sévèrement par le défenseur de Swazi. Penalty signalé par l'arbitre. Penalty complètement indiscutable. Penalty tiré par le frappeur maison. Moteur. Et voilà, 3-0 pour la GSP. Le quatrième et dernier but du match va être inscrit par Raoul. Raoul qui, comme à son habitude, va congratuler son but avec les supporters. Pour le compte de la troisième journée, la GSP, leader du championnat, reçoit l'équipe de Fos.
Ok, ça marche. Pour la première fois depuis le début du championnat, les joueurs de la Pontoisienne vont être bousculés par une équipe de fosse bien en place et très solide défensivement. Malgré un bon entame de match, la JSP rentre au vestiaire avec deux buts de retard. Sur ces images, nous voyons l'un des deux buts de l'équipe de fosse. Écoutons le discours du coach à la mi-temps. Loin d'être fini. On oublie les 45 premières minutes. On repasse un deuxième match. Un deuxième match. Convaincu, tous ensemble. Parce que sincèrement, je trouve qu'on est meilleur qu'eux. Hein. Même si ils ont une belle équipe, hein, j'ai rien à dire. C'est un client qu'on a aujourd'hui. Hein. Mohamed, Fater, poussez-moi l'équipe vers le haut. De la solidarité partout. D'accord. Soyez solidaires et humbles, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, on a... Quand on attaque, il faut plus de solutions. On va avoir des occasions. Si on en met une, je vous connais. Je suis intimement persuadé qu'après, on est capable d'aller chercher le deuxième. Déjà ! Allez, mec. Allez, on y va. Allez. Continuez à fond, là. Allez, en plus que ça, encore. Deuxième mi-temps. La GSP rentre sur le terrain avec des meilleures intentions et vont se créer plusieurs occasions franches de revenir au score. Comme sur cette action, avortée pour une position de hors-jeu de la JS. Renvoyant plutôt le ralenti. À ce moment, la JS, en haut de l'écran, n'est effectivement pas hors-jeu. Mais au moment de la passe de Raoul, le pied de l'attaquant est sur la ligne blanche alors que le dernier défenseur est à quelques centimètres derrière. Donc il y avait effectivement hors-jeu. Les joueurs de la JSP vont alors se ruer vers les buts adverses et imposent petit à petit leur jeu collectif. Débordement de Raoul sur le côté gauche, centre pour Raon, tacle du gardien, l'arbitre aurait peut-être pu chuter un pénalty. Coup franc tiré par Raon. Prend bien frappé, le gardien relâche la balle et qui là pour la récupérer, Fater, le capitaine, à qui l'entraîneur avait demandé de remobiliser l'équipe, chose faite pour cet ancien joueur de DSR. Il reste du temps et un but à remonter pour la JSP. Long dégagement de Michael, reprise de la tête de la JS et la suite est tout simplement magnifique. But de Raoul, Raoul qui marque le but de l'égalisation, 2-2 entre la JSP et Fosse. Il reste encore un quart d'heure à jouer dans ce match et la JSP continue son pressing. Tête de Pouch qui passe à côté des buts du gardien de Fosse. Coup franc pour la GSP tiré par Fater. Coup franc qui part très bien. Tête de Raoul et but, troisième but pour la GSP qui prend l'avantage dans ce match. Ah non, l'arbitre qui va refuser ce but pour une faute sur le gardien. Le score est toujours de 2-2 entre la GSP et Fosse. Dernière action à mettre à l'actif des joueurs de la JSP, suite encore à ce débordement de Raoul, qui va transmettre la balle à Faya, qui malheureusement n'arrivera pas à redresser le ballon. 2-2, score final.